Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal avec le Plan With Me du mois d'avril. Et qui dit mois d'avril dit également Pâques. Et qui dit Pâques et dit lapin. En tout cas, pour moi, j'aime bien les petits lapins au moment de Pâques, même s'il n'y a pas que les lapins. Hein. C'est cliché, mais c'est pas grave. Enfin bref, tout ça pour dire que dans le Bullet Journal, j'ai fait le thème sur les lapins. Il y a plein de petits lapins. Donc tous mes petits stickers, die-cut, tampons, tout le tralala, ça vient comme d'habitude de chez Action. Bon, vu que j'avais pas assez de lapins en déco, j'ai rajouté des petites plumes à droite à gauche pour combler les vides. Voilà. Donc encore une fois, c'est un bullet journal très minimaliste, mais moi c'est ce que j'aime et c'est le principal. Voilà. Et en ce qui concerne mes pages, je n'ai rien changé de d'habitude, c'est toujours la même chose. Donc je vais éviter de parler plus parce que c'est exactement la même chose que tous les mois. Alors je n'ai pas pris en compte qu'en ce moment c'est le confinement et j'ai continué de faire mes semaines comme si de rien n'était. Parce que si j'avais pris en compte tout ce qui se passe en ce moment, ça aurait été un petit peu morose dans le bullet journal, alors j'ai préféré faire comme si de rien n'était. Voilà, on s'en fiche. En espérant que toute cette histoire soit vite de l'histoire ancienne quoi. Qu'on puisse passer vite à autre chose. Mais pour ça faudrait espérer que les cons arrêtent de faire les cons. Journal pour le mois d'avril. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. N'hésite pas à me partager toi aussi ton bullet journal, ce que tu veux faire à l'intérieur, parce que ça fait toujours plaisir de savoir ce que les autres ont fait aussi. Hein. En plus je suis une vraie petite curieuse donc... Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.